Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Alors que nous commençons la seconde semaine de mars, il est peut-être temps de parler des préparatifs du jardin potager, mais également des autres végétaux. Alors que le mois de février a été on ne peut plus chaud et ensoleillé, nous avons tous constaté que la nature s'était réveillée. Le muscari, les narcisses et tulipes fleurissent et les arbres commencent à débourrer leur feuillage. Ne reste qu'à espérer que s'il y a des gelées, elles seront douces pour éviter d'anéantir ces débuts de floraison. Pour commencer au potager, il est temps de planter les variétés précoces de pommes de terre, d'aïroses, d'oignons blancs, d'échalotes, d'asperges, de petits pois et de fraisiers en godets. Sur les pommes de terre, certains essaient de nouvelles techniques, comme simplement les poser sur le sol et les recouvrir d'une épaisse couche de paille. Je n'ai jamais essayé, je continue à enterrer ma pomme de terre et je paille tout de même pour éviter que mon sol reste découvert. Attention au type de sol. Lorsque vous plantez, certaines espèces comme l'ail aiment un sol sec et bien drainé. Aussi, je ne les paille pas et patiente le temps qu'ils poussent de quelques centimètres, surtout qu'à cette période, les pluies se succèdent. Quoi qu'il en soit, il faut toujours surveiller l'arrosage ainsi que l'aération des plants pour éviter toute moisissure. Il va être également le moment d'entreprendre les semis. Pour ceux qui disposent d'une serre, vous pouvez d'ores et déjà attaquer le semis des salades de printemps, choux, choux de Bruxelles, navets, poireaux, betteraves rouges, salsifis, fèves, épinards, carottes, radis et d'autres variétés peut-être moins utilisées au jardin. Pour ma part, j'ai également commencé les semis de tomates sur couche chaude, c'est-à-dire un mélange d'herbes fraîches, paille et fumier arrosé comme il le faut. Le mélange fermente et dégage de la chaleur, ce qui permet la levée des semis. Ensuite, j'entoure ma zone d'un coffrage en bois et un couvercle transparent. Voilà une serre chauffante efficace. Les tomates qui ne démarrent leur germination qu'à 20 degrés ont besoin de ce coup de pouce au mois de mars. Pour les salades et les choux, je les sème dans de grosses caissettes en polystyrène comme celle du poissonnier, puisque je les repiquerai en godets au stade de 4 feuilles. La salade essentiellement pour la protéger des limaces et autres gastéropodes, et le chou parce qu'il aime d'abord développer son réseau racinaire et faire un chignon avant d'être basculé en pleine terre. Je procède de la même manière qui suit pour préparer mes caissettes. J'installe au fond une couche de 1 à 2 cm de gravillon, un terreau universel quelconque pour apporter de la légèreté, je tasse ma terre, je sème et recouvre d'un terreau à semi-bio de manière légère. Le premier arrosage est le plus délicat pour ne pas trop bouger les semences de leur place initiale. Une bonne vaporisation avec un spray d'eau de pluie est le meilleur moyen de fixer la terre sans trop de mouvement. Lorsque les semis ont levé, je reprends un arrosage classique à l'arrosoir et à la pomme. Comme pour toutes les plantes, les semis vont nécessiter une surveillance accrue sur deux points qui sont l'arrosage et la ventilation pour éviter tout stress hydrique et coup de chaud durant la levée. Attention, sous serre, la chaleur peut devenir excessive et brûler les plants. Aussi, pensez à aérer votre serre correctement ou sortir les semis en extérieur par beau temps. Pensez à étiqueter correctement avec le nom de la plante pour éviter les mélanges de variétés et reporter la date de semis sur un agenda pour observer le temps de levée et ainsi voir si une anomalie apparaît. Divisez également vos rhubarbes, ciboulettes, estragons et artichauts. Ces premières préparations au potager attisent nos envies de beau temps et de légumes frais et sains et nous permettent de remettre le nez dehors. Au verger, il est temps de planter les arbustes à petits fruits, tels que les framboisiers, groseilliers ou encore cassissiers. Attention à bien respecter les nécessités en terre et en exposition. Le framboisier aime plutôt un emplacement ombragé et une terre légère, fraîche et riche. Même s'il s'agit d'une plante de lisière, il est important tout de même d'avoir du soleil pour qu'il fructifie
au maximum et qu'il donne des framboises bien sucrées. N'hésitez pas à tutorer avec quelques bambous, suivant son exposition, le vent peut casser ses pousses. Le groseillier est facile à planter, il aime également un sol frais et bien drainé et ne supporte pas l'humidité stagnante. De mi-ombre à ensoleillé, suivant les régions, pour chez nous, mi-ombre sera parfait. Le cassissier, lui, est plutôt une plante de marécage, aussi il nécessite un sol toujours frais. Contrairement à d'autres arbustes, il est intéressant à la plantation de recouvrir le collet du cassissier, pour son maintien, mais surtout parce que les nouvelles branches du cassissier partiront de ce même collet. Plusieurs variétés plantées favorisent la pollinisation. Au jardin d'agrément, c'est également le temps de semer la pelouse. Vous l'aurez compris, pour ma part, pas besoin de pelouse, la nature d'elle-même recouvre son sol. Mais pour ceux qui souhaitent en installer une, voici quelques conseils. Le semis de pelouse doit toujours être humide pour lever. Aussi, la pelouse se sème au début du printemps ou au début de l'automne, c'est-à-dire à la période où les pluies sont régulières, permettant ainsi la levée, mais également l'économie d'eau. Tout d'abord, il faut préparer son sol. Les puristes de la chimie vous diront qu'il faut d'abord désherber pour avoir une surface propre, tasser votre sol, semer, arroser, tondre, tasser de nouveau, deux fois par an en gros, et utiliser un désherbant sélectif régulièrement pour ne conserver que l'herbe. Finalement, vous êtes pris au piège par l'addiction à la chimie pour satisfaire vos envies de zéro défaut. Heureusement, depuis début janvier, les désherbants sont interdits. Pourtant, j'ai constaté qu'en jardinerie, Roundup continuait d'exister en vendant un désherbant Biocontrol à plus de 20€ la bouteille. Une nouvelle arnaque du géant Monsanto qui vend 20€ de l'eau et de l'acide pélargonique, une molécule naturelle qui est tout de même considérée comme un phytosanitaire, mais dont les fabricants n'ont pas à effectuer de tests toxicologiques et écotoxicologiques. Enfin bref, ça continue. Ouverture de la parenthèse, pour ma part, la propreté et le zéro défaut ne veulent rien dire pour la nature puisque tout n'y est que perfection. Chaque plante qui pousse a sa raison d'être et est d'ailleurs un excellent indicateur des qualités de votre sol. Cela vous permet de pouvoir identifier les différents types de terre dont vous disposez pour vos propres plantes dans votre jardin. Ces plantes donnant des indications sur la composition du sol s'appellent les plantes bio-indicatrices. Fermeture de la parenthèse. Voici donc ma manière à moi de semer la pelouse. J'ôte tout d'abord tous les petits obstacles qui empêcheraient la bonne pousse, comme les cailloux assez gros. Je tonds de très près la pelouse ou herbe existante. À ce moment-là, les espaces vides réapparaissent. Je passe un léger coup de râteau, je sème à la volée en croisant mes pas pour ne pas oublier d'endroit, puis j'arrose. Il faut bien compter une semaine pour le début de la levée. Sur toute cette période, il est impératif de surveiller l'arrosage. Lorsque l'herbe est assez haute pour une première tonte, mais pas trop courte pour éviter l'épuisement des racines, je tonds. Pour le problème des indésirables de votre jardin, l'unique solution est de bien choisir son moment de tonte. Toujours tondre avant que les plantes n'arrivent au stade de la distribution de leurs graines, ces tontes régulières suffisent à éradiquer les plantes indésirables de votre pelouse. Il n'y aura que les plantes à racines pivots, comme le pissenlit par exemple, qu'il faut enlever manuellement. Et voilà, la pelouse est installée, naturelle et sans chimie. C'est également le bon moment pour tailler rosiers et glycines. Mon passe-temps favori à cette période de l'année est la division des vivaces. Elles ont doublé de volume par rapport au printemps précédent et il est toujours agréable d'avoir un jardin abondant de fleurs. La technique est assez simple, il suffit de diviser les plants. Lorsque vous observez votre plante, vous voyez des bébés qui sont apparus. Ils ont désormais leurs propres racines et peuvent être déplacés. Pour d'autres espèces, un seul nœud de racine qu'il faut diviser en sectionnant, comme la prêle par exemple ou le papyrus, qui demande l'accompagnement d'une scie pour couper le chignon des racines. Une fois séparés, vous pouvez soit les repasser en terre, soit les mettre en pot. Le mois de mars et d'avril ont pour cela une température idéale, ni trop chaude, ni trop froide, et normalement une abondance d'eau de pluie qui permet à toutes les plantes de s'enraciner. Vous pouvez planter des rosiers à racines nues également, mais aussi tout type d'arbustes à feuilles caduques. Continuez de ranger votre jardin, voire rempoter les plantes extérieures, préparez du purin d'ortie qui vous sera précieux dans les prochains mois.
observer les oiseaux, la nature se prépare pour le printemps, un véritable plaisir au quotidien. Sortez, respirez, admirez. Voilà, c'est terminé pour ces quelques conseils pour votre jardin au mois de mars. Bonne semaine à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green ? Oui. Green, comment ? Super green, aussi green que ça peut être. Green, le plus sens des green, tu vois, mais tu vois le green, 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 green.